se passe. Il y a un chanteur qui a dit, personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Parce que tous ceux qui rencontrent cet homme de Galilée, oh, quelque chose se passe. Amen. Ce matin, je suis tellement convaincu et persuadé que quelque chose se passera dans ta vie. Amen. Tu ne rentreras pas comme tu es devenu parce que Jésus-Christ est là. Amen. Et la montre très fort le Seigneur. Je le prie de toute façon. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je bénis ce moment précieux. C'est moi merveilleux que tu m'as accordé de parler à ton peuple. Mais je te prie, Père, que je disparaisse, que toi tu apparaisses auprès de ton peuple, que tu parles. La bouche est mienne, mais les paroles sont tiennes. Je voudrais que l'onction du Saint-Esprit, que l'onction du trône coule dans cette assemblée pour libérer et briser tous les jours, briser toutes les chaînes, briser toutes les forces du mal, et que la gloire de ton nom demeure à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur, nous ouvrons donc dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 27, nous commençons au verset 45 et nous arrêtons au verset 54. Le thème du message, pourquoi il doit être guéri? Pourquoi tu dois être guéri? C'est une problématique que je pose ce matin qui va nous amener à certaines hypothèses de la parole de Dieu que nous allons essayer d'élucider tout à l'heure. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 27, nous commençons au verset 45 et nous arrêtons au verset 54. Nous nous mettons debout pour bénir la parole de Dieu. Pasteur, tu veux bénir. On se lève, s'il vous plaît.